Les femmes FAT mobilisées pour une opération de reboisement ce samedi 4 juin, ici au camp militaire du 1er bataillon d'intervention rapide Bir Dagoué. L'opération dénommée « Une femme militaire, un arbre » s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de reboisement au Togo. Au total, ce sont plus de 2500 plants de différentes espèces et variétés qui ont été mis sous terre. Cette action de ces femmes FAT, qui a été soutenue et accompagnée par l'association Jeunes sans frontières pour le développement du Togo, JSFDT, a également vu la présence effective de Madame la ministre des Armées, Marguerite Sozimna Nyakade, venue encourager l'initiative. Une démarche de la ministre saluée par ces femmes qui ont profité de l'occasion pour réitérer leur plein engagement aux côtés du gouvernement et ont promis jouer leur partition afin que l'objectif visé à travers cette campagne nationale de reboisement soit atteint avant la fin de l'année. Nous remercions Madame la ministre des Armées pour nous avoir associés à la campagne nationale de reboisement ce matin aux côtés de nos maris. Et nous remercions aussi le président de la République qui a instauré cette campagne. Et nous sommes toutes prêtes, nous les femmes FAT, aux côtés de nos maris pour les encourager et les accompagner dans leurs devoirs de tous les jours. Très heureux d'être à côté de Son Excellence Madame Nyakade, ministre des Armées, en ce jour où nous sommes venus mettre sous terre des plans aux côtés des femmes FAT. Et nous avons planté des arbres ici pour que nous voyons ce lieu désert avec beaucoup d'arbres dans quelques années. Instauré par le chef de l'État, son excellent fort et son dynamique Nyasingbe, à qui nous disons un grand merci de penser au Togo pour avoir un Togo vert. Les jeunes sans frontières pour le développement du Togo, nous sommes venus très nombreux et aux côtés des femmes FAT et l'organisation était très parfaite. Et tous les plans que nous venons de mettre sous terre, nous prions pour que ça apporte des fruits pour un Togo vert et prospère. La ministre des Armées, Marguerite Nyakade, au cours de cette opération, en s'adressant à ses femmes FAT et à l'ensemble des participants, a surtout émis le vœu que cette action puisse vivement continuer partout où besoin se fera sentir, dans le but d'une recouverture forestière rapide. D'autres activités dans le même cadre sont notamment prévues dans les jours à venir par l'armée dans les autres régions du pays. Conscient du rôle majeur que jouent les arbres dans la sauvegarde du couvert végétal, le collectif des unités de transformation et d'exploitation de bois Cuteb n'a pas voulu rester en marge de la célébration de la Journée nationale de l'arbre. Responsables et membres de l'association se sont retrouvés tôt le 1er juin dernier dans le village de Tamélé, situé à Thiévier dans la préfecture du Zio, pour l'opération de reboisement. Sur une superficie de plus de 10 hectares retenue pour l'occasion, ils ont procédé à la mise en terre de plus de 2500 plants de diverses espèces. Une action qui, pour les premiers responsables de l'association, vise dans un premier temps à honorer un engagement citoyen, puis dans un second temps à répondre à l'appel du gouvernement dans le cadre de sa campagne nationale de reboisement massif. Le 1er juin est une journée symbolique où nous devons mettre en terre le bois. Le bois constitue la matière première que nous utilisons dans notre unité de transformation. Nous devons faire ce geste-là pour marquer effectivement que nous, les acteurs de la foresterie, nous contribuons pour que ce couvert végétal soit totalement atteint. Nous vivons dans un environnement. Quand l'environnement est sain, notre santé aussi est saine. Donc l'importance du bois, je vois l'importance du bois, nous devons placer. Parce que quand on se promène, on a toujours tendance à chercher un abri. Et c'est sous l'arbre-là qu'on s'abrite. Pour se reposer un peu et continuer les activités. Donc le bois constitue un élément très 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 important dans la vie de l'homme. Le bois absorbe les gaz carboniques et rejette l'oxygène, ce que nous respirons au jour au jour. Planter un arbre, dit-on souvent, est un acte citoyen, mais en assurer le suivi permanent en est un autre. Ainsi, le collectif Cuteb ne compte pas s'arrêter qu'à cette opération, mais aller bien au-delà. Je suis un exploitant de camoufle.
kadodo le miam garko gama miam bubu ava kobere achi midore epo veya alake ole epo ton alake ole toi suivi malo miano epo kobe achi wa odonira ele vere na mi Peter a mis en place un projet de production de plants et ces plants là sont disponibles au centre semencier de Davier et d'environ 100 000 plants. Le projet couvre 100 000 plants pour la campagne de cette année 2022. La campagne vient de commencer, les gens ont reboisé avant la journée d'aujourd'hui. Nous allons continuer par reboiser jusqu'à la fin de la campagne et la campagne va jusqu'à fin septembre 2022. Atteindre ces objectifs permettra au QTEP de jouer pleinement sa partition en tant qu'acteur de la foresterie et par conséquent participer d'une manière évidente à la reconstitution du couvert végétal. Sous réserve du concert de cette soirée, je déclare donc close les journées culturelles de l'Université de Lomé, édition 2022. La semaine culturelle édition 2022 à l'Université de Lomé est ainsi rentrée dans l'histoire. La cérémonie de clôture des activités s'est déroulée au centre des œuvres universitaires Koul, en présence des étudiants, du corps enseignant et du personnel administratif. Au menu de cette dernière rencontre, la remise des prix aux lauréats des différents concours organisés. Il s'agit entre autres du concours de l'accoutrement royal, du génie en herbe, de la langue maternelle, de la gastronomie, du match entre enseignants-chercheurs et administration et bien d'autres activités culturelles. La cérémonie de clôture a été aussi marquée par la présentation et l'exposition des œuvres d'art, fruits des étudiants plasticiens et dessinateurs. Les 6 jours de manifestations culturelles ont été donc une occasion de découvrir les talents culturels et artistiques des étudiants de l'Université de Lomé. Une satisfaction pour les responsables. Tout est bien qui finit bien. Surtout ce qui est intéressant, c'est les talents. Donc nos étudiants, pour ne pas dire, savent tout faire. Et ils le font aussi si bien, comme ils le font également sur les bancs de classe. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un bon bilan. C'est une fierté de nos étudiants qui ont montré à suffisance qu'ils savent faire autre chose que ce que nous rappelons sur les bancs. Face à ces talents et connaissances culturelles, une initiative d'accompagnement et de soutien des étudiants talentueux s'impose, a suggéré le premier vice-président de l'Université de Lomé. En tant que responsable de la pédagogie, nous allons améliorer. Vous avez vu, il y a des talents, mais il faut accompagner le talent par l'interprétation. Donc nous allons nous atteler à ce devoir pour que les étudiants puissent encore mieux s'exprimer pour mieux vendre leur art. Les étudiants ont aussi exprimé leur satisfaction quant au déroulement de ces journées culturelles. Mais ils n'ont pas manqué de formuler des doléances pour les prochaines éditions. Les activités culturelles, c'est pour les étudiants et qui doit principalement être animé par les étudiants. Donc, à côté des activités centrales, à côté des activités communes qu'organise le cours, il faudra quand même aussi que les entités étudiantes puissent avoir la main pour organiser les activités parallèles. Enfin, c'est ça qui crée la beauté pour les journées culturelles et la diversité des activités concernant les journées culturelles à l'Université de Lomé. La satisfaction était totale, la mobilisation aussi a été rendez-vous à travers ces différentes manifestations. J'ai beaucoup apprécié, c'était ma première semaine culturelle et elle s'est très bien passée. J'ai beaucoup apprécié la prestation de mes camarades par rapport au concours de mode et puis aussi au concours culinaire. Heureusement, nous avons gagné des prix dans ces deux disciplines-là. Et puis aussi les activités de ma propre faculté. Je me suis beaucoup amusée. La semaine culturelle au Temple du Savoir permet un brassage culturel et surtout un partage des connaissances traditionnelles. C'est également une manière de valoriser et de rendre pérennes les diversités culturelles que regorge le Togo. Le rendez-vous est donc pris pour la prochaine édition en 2023, si tout va bien. Les éperviers du Togo n'ont pas fait mieux que de partager les points de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023 avec leur adversaire du jour.
Opposés au bouclier du roi de l'Eswatini, les éperviers seront les premiers à mettre le pied sur la balle dès le coup d'envoi de l'arbitre béninois. 20 minutes de jeu ont suffi à la bande à Paulo Duarte d'ouvrir la marque sur ce joli coup franc, botté par Placa Fessou. Ce score d'un but à zéro conduira les deux formations à la pause. De retour des vestiaires, les boucliers vont mettre la pression sur les éperviers, mais c'est sans gain de cause jusqu'à la 87e minute où ils vont remettre les pendules à l'heure. Deux minutes après, la Bafodo reprend victorieusement de la tête un corner pour le 2-1. Alors que l'on pensait à une courte victoire des éperviers, les 5 minutes de temps additionnel ont suffi au bouclier du roi de l'Eswatini de rétablir la parité. Deux buts partout, Paulo Duarte s'explique. On a créé beaucoup de pression, que ce soit ou à gauche, que ce soit ou à droite, que ce soit une attaque organisée, que ce soit une contre-attaque. On a crié, on a raté. Dans les trois frappes, l'adversaire a fait, ils ont marqué le but. Mais première mi-temps, on ne savait pas jouer avec la tranquillité, on ne savait pas jouer avec la sérénité. Parce que la pression peut-être, on a envie de gagner vite, on a envie de marquer une deuxième but, peut-être une troisième, peut-être nous arriver. Je pense qu'on a perdu cette sérénité et c'est ça au vestiaire que j'avais dit. J'ai corrigé ce qu'il doit corriger et j'ai demandé à l'équipe d'être plus sereine, surtout aux joueurs plus expérimentés. On ne peut pas énerver le public, on ne peut pas énerver le joueur parce qu'on gagne, on joue bien, on rate le but, donc il faut qu'on soit toujours concentré. Yes, of course, it is special effect to us. C'est l'espoir à nous. D'abord parce que nous avons joué à l'extérieur. Et deuxièmement, c'est parce que nous avons joué contre une équipe qui était supposée être meilleure que la nôtre. Lorsque nous jouons avec nos joueurs, nous ne leur disons toujours qu'un match n'est jamais fini avant le coup de sifflet. Avant le coup de sifflet final. Donc nous étions dans cette logique-là, ce qui fait que nous avons trouvé en nous pour le résultat que vous connaissez tous. Donc l'objectif n'est pas forcément de nous qualifier pour la 3, mais plutôt de construire une équipe solide qui sera vraiment capable de résister au meilleur. Dans l'autre rencontre du groupe B, le Burkina Faso a battu le Cap Vert par 2-0 et prend ainsi la tête du groupe à l'issue de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2023. Les éperviers, pour leur part, se déplacent ce mardi 7 juin au Maroc pour y jouer le Cap Vert pour le compte de la deuxième journée.